Et bonjour à toutes et à tous, c'est GTA 2 doigts sur Need for Speed Carbon pour un nouvel épisode de la présentation de véhicules modés. Puisque nous avons fait une exotique, je vous présente maintenant à nouveau une tuning. J'ai pas d'idée sur la voiture, mais on verra bien à la concession. Non, c'est juste à côté. À chaque fois, je me fais avoir. Bah, vous savez quoi, on va prendre une tune. On va acheter une tuning, donc on va prendre un muscle pour y aller. Et c'est parti. Exploration. J'ai pas franchement d'idée sur le tuning que je vais prendre. Peut-être une Subaru ou une Mitsubishi. Eh ben, on va voir ça. C'est parti. Très rapide avec la Viper. On va prendre non pas une GTR. Lancer Evo. Ah c'est celle-là. Non j'ai pas envie. Ouais je vais prendre une 22B. Subaru Impreza 22B. J'achète cette voiture et je retourne en exploration. Déjà rien que le bruit de la 22B il me plaît. Le bruit typique d'une Subaru. Voici à la planque. Et je vous reprends de suite avec le véhicule personnalisé. Et nous voilà avec la Subaru. Fraîchement personnalisée. Voyez, style un peu rallye, kit carrosserie, jantes BBS, peintes en or, en couleur dorée. Pour une fois, j'ai pas mis les vitres teintées noires mais argent. Ça aille mieux avec la couleur de la carrosserie. Niveau moteur, elle est améliorée comme il le faut, comme il se doit en vrai. Et c'est parti pour un petit tour en exploration. Et nous voici en exploration et c'est parti. Ben, vous savez quoi? On va pas faire comme les vidéos précédentes, on va directement passer au terrain d'essai et ensuite à la poursuite. Je vais vous montrer les performances de cette voiture. Nous avons une exotique et deux Mitsubishi Lancer. J'ai un petit peu oublié de démarrer. C'est pas bien grave.
sur les rails. Et voilà. Remarquez, je n'ai pas touché une seule fois au frein. J'ai juste rétrogradé. Qui dit tuning, dit ça tourne comme sur des rails. Bon, et si on passait à la poursuite maintenant ? Et c'est parti, on va essayer une petite poursuite. Enfin, faudrait-il que les policiers nous recherchent. Bloqué par un panneau. Et à contre-sens, c'est toujours mieux. Bingo! Pour une fois que c'était pas moi qui étais à contre-sens.
dis donc, ils sont acharnés aujourd'hui. Et voilà une petite poursuite, 5 infractions, comme la plupart du temps en fait, mais voilà. Cette voiture de flic percutée, cette voiture de flic, 5 voitures de flic neutralisées. Bon, ça va, c'était une poursuite peinard. Vous voyez, on voit encore plus les performances de la Subaru. Lorsqu'on est en poursuite, bah, vous avez bien vu la feinte que j'ai fait au policier. C'était juste splendide. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à commenter. Sur ce, bonne continuation et à la prochaine.